Le camp du Larzac existe depuis longtemps. Il n'a jamais créé de problème. Il est nécessaire de l'étendre. La contrepartie, c'est qu'il y a quelques paysans, pas beaucoup, et qu'il est nécessaire d'exproprier. Ça nous est tombé comme une massue sur la tête, quoi. On était condamnés à disparaître. On s'est dit à ce moment-là, il faut qu'on fasse un serment et il faut qu'on s'engage à ne jamais vendre nos terres, quel que soit le prix. La première riposte, ça a été de protester avec les outils qu'on avait. Et dans la région, on a deux choses, les brebis et les tracteurs. Et on s'est aperçu que c'était une arme extraordinaire, parce que nous, on sait comment la prendre, une brebis. Des flics. Le Larzac, c'était devenu tentaculaire, comme une araignée. Il y avait des gens qui nous soutenaient partout, en fait. Quoi. L'argent, il manque que ce mot à la bouche. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On répondait à une agression. Ils ne devaient pas comprendre d'ailleurs. Comment ces mecs-là, on veut les mettre dehors, ils continuent à vivre. Oui, on investit, on continue. De notre petitesse à nous, arriver à leur faire la nique, c'était assez jouissif quand même. On fait partie d'une communauté. Le Larzac, on ne s'est pas battu pendant 10 ans pour voir partir un voisin. Le père Paloc lui disait, nous, le Larzac, on l'a sous les pieds. Tant qu'on a les pieds dessus, ils ne nous le prendront pas. We'll